Vous, les amis, qui avez choisi le papillon bleu, nous allons découvrir ce que vous racontent les cartes. La nécessité et les racines. D'emblée, je sens que vous devez vous connecter avec vos racines. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, c'est très important. La racine exprime une notion de lien avec la carte de la nécessité. Elle nous dévoile un besoin viscéral de vivre à deux ou en famille. La racine parle d'un lien très fort avec la terre, à la famille et à des valeurs ancestrales. Au niveau de la situation financière, je dirais qu'elle est stable et que vous avez des proches bienveillants qui veillent sur vos biens. Avec la carte de la nécessité, nous avons bien la notion de lien très fort avec vos proches ici. L'amour est idéalisé depuis toujours. Vous attendez de rencontrer l'élu de votre cœur. Il se peut ici être question d'un mariage approuvé ou non par la famille, ou bien d'une rupture. Attention cependant, avec la carte de la nécessité, de ne pas dépenser sans compter. Voyons la suite, les amis. La reine de baguette et le cid. La reine de baguette, le 14 et le cid. La reine de baguette est un personnage optimiste. Elle est loyale et créative et visionnaire. Elle sait canaliser les énergies. Il peut s'agir là d'un personnage indépendant. Avec le 14, le cid, elle peut nous faire penser à la tempérance. Elle est réconciliation, amour, tournée vers l'autre. Ces deux cartes ensemble indiquent la disposition à de nouveaux projets. Vous pouvez avoir de très bons confidents. Ces personnes vous prodiguent de très bons conseils. Cela peut vous montrer que vous êtes très fort ou fortement intellectuellement très fort. Il se peut que vous ayez un nouveau contrat ou une évolution dans votre travail, ainsi qu'un poste à responsabilité, plus en phase avec vous. Libérez-vous des liens toxiques. Faites-vous confiance. Donc ce message, mes amis, faites-vous confiance. Nous allons voir le conseil du tarot. Nous voici avec l'empereur, la stabilité, une puissance indéniable sur sa famille et sur les autres. Détachez-vous de l'emprise matérielle. Soyez plus fluide. Ne restez pas campé sur vos positions. N'ayez pas crainte. On vous respecte. La lettre hébraïque. Le Het. Huitième lettre des lettres hébraïques. Faites sauter des barrières. La volonté est votre motivation. Le conseil de Gaïa. La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la lumière. Cette carte, vous avez beaucoup appris. Continuez votre voyage. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a aidé. Nous allons procéder à un petit jeu ludique, mais très intéressant.